Salut les fourmis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça faisait un petit moment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette de petits biscuits au citron. Personnellement, je la fais assez régulièrement parce qu'ils sont super bons et j'adore le citron. Et c'est parti pour la recette. On commence par le matériel. Il vous faudra un grand bol, un petit bol, un tamis, une spatule, un fouet et une balance. C'est parti pour les ingrédients. 125 g de sucre, 300 g de farine, du sucre en poudre, 100 g de beurre, un joli citron, un bel œuf, de la cannelle en poudre, un sachet de levure et une pincée de sel. Dans le grand bol, pesez 125 g de sucre. On y ajoute l'œuf, une pincée de sel. Et on va mélanger tout ça. Rajoutez le beurre mou. Alors le mien est un peu trop fondu, mais ça va faire l'affaire. On presse le citron et on rajoute son jus. Et on mélange tout ça de façon homogène. Ensuite, on va peser 300 g de farine. On rajoute le sachet de levure et on va venir rajouter la farine tamisée au mélange. Alors je vous conseille de rajouter la farine petit à petit et de mélanger progressivement. On mélange. On continue à mélanger. Encore un petit peu. Ensuite, quand la pâte est bien homogène, on va venir former des petites boules de pâte. Et d'ailleurs, je vous conseille de fariner vos mains, ce sera plus pratique. Ensuite, vous allez les rouler dans un bol de sucre. Ensuite, vous faites la même chose, mais dans un bol de sucre glace. Et maintenant, on va les laisser reposer 45 minutes au frigo. En attendant, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Après le repos au frais, enfournez vos biscuits pendant 15 minutes. Et donc, avec cette recette, j'ai fait 10 biscuits. Vos biscuits ne doivent pas durer, mais juste craquer. D'où leur nom, craquer au citron. Laissez-les refroidir sur la plaque et conservez-les dans une boîte métallique. Pour la touche finale, saupoudrez vos biscuits avec de la cannelle et du sucre glace. Ils sont tellement mignons! Et si vous décidez de les offrir, vous pouvez les mettre dans un petit sachet. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, la recette est super simple. Vous inquiétez pas, je vous mets tous les ingrédients et puis la marche à suivre dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre la fourmilière en vous abonnant à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour une... Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était la fourmi du net. Piou piou piou.